Dans un quartier modeste d'Oasis Springs, vivent une mère et sa fille, Kimberley Bijoukis. Depuis la disparition mystérieuse du père de Bijou, il y a un an, la vie est encore plus difficile, ce qui a renforcé la relation entre les deux femmes. Bijou fabrique des objets pour meubler leur mobilhome, ou pour les vendre et se faire un peu d'argent, quitte à s'abîmer les mains jusqu'au sang. Quant à Kim, elle n'hésite pas à mettre sa fierté de côté et fouiller les poubelles dans l'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi. Kim travaille en tant que serveuse au diner, mais son maigre salaire ne lui permet pas de mener la vie qu'elle souhaite. Alors à bout, excédée par sa situation misérable, elle fait vivre un enfer aux clients. D'ailleurs, sa relation est aussi compliquée avec sa sœur, Rosemonde, propriétaire du diner, qui a mieux réussi qu'elle. Pourtant, elle ne perd pas espoir de mener une vie meilleure. Kim s'entoure de personnes peu fréquentables. Quelle surprise, bonne ou mauvaise, cela pourra-t-il lui réserver? Depuis toute petite, Bijou n'a qu'un seul rêve, celui d'être célèbre et de vivre une vie de paillettes. Bref, d'attirer l'attention. Cet espoir est-il réalisable? Rien n'est moins sûr. La seule certitude, c'est l'amour profond qui unit les deux femmes.